Alors là, nous avons le 49. Allez, on démarre avec le 49, donc un vaincu d'alliés, premier issu de la première génération de Freeport Lux et Safla, présenté par Michel Larobe. Donc, deux jours après, je le rappelle, sous la sagacité du jugement de François Doumène, du triple jugement de François Doumène, de Malivet et Tanguy Sabou. Un vaincu d'alliés, donc fils des mâles, pour cent, le 28 janvier. De Freeport Lux et Safla, par Sadolf Sweat, c'est une mère par Sadolf Sweat, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, qu'on va pouvoir faire marcher maintenant. Donc la mère est par Sadolf Sweat, ça c'est quand même époustouflant, la grand-mère par Gueule. Et la mère, c'est une sorte de Poséidon Aventure, donc c'est une propre sœur de Poséidon Aventure qui a été un grand combattant international, avant de devenir d'ailleurs maintenant étalon. Voici le 41 dans la première section. Deuxième section, on commence avec le 59. Allez, on y va avec le 59, fils de Spanish Moon, né le 6 février, et Cerise, par Tobong, la petite grand-mère, et par Black Tiger, c'est-à-dire un champion américain. Donc il y a encore une origine internationale ici. Oui. Il n'est pas né le 8 février, c'est pas possible, ça c'est sûr. Il est né le 8 avril? D'accord, il est né le 8 avril, très bien. Allez, on y va, on va marcher. Donc, on était. Oui, fils de Spanish Moon. Ah, on est allons à la mode, hein, Spanish Moon. Voilà, donc Spanish Moon, le père notamment de Lorina, qui a réalisé de nombreux exploits cet hiver en Angleterre et en Irlande. Que ce soit. C'est le problème de Cheltenham que celui de...